D'autre part, vous avez le courant philosophique, purement philosophique, qui était développé, élaboré, notamment par Averroès Ibn Rushd, un philosophe andalou, 10e, 11e siècle, qui a dit clairement que la vérité a deux facettes, a deux voies. Il y a tout d'abord la voie religieuse, mais qui ne contredit absolument pas la voie rationnelle. Car al-haqiqa, la vérité, ou al-haq, le vrai, ne peut pas être contradictoire, ne peut pas être opposé. C'est-à-dire, il ne s'oppose pas intrinsèquement. Donc, du coup, que ce soit par la voie religieuse, spirituelle, ou la voie rhétorique, discursive, ou la voie intellectuelle, dialectique, on ne peut qu'aboutir à la même vérité.